Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre comment faire cette petite table d'appoint réalisée à partir d'un rondin de bois et de trois morceaux de branches et qui apportera un côté nature à vos intérieurs. Il vous faudra donc des branches d'un diamètre de 3 cm environ. Choisissez-les les plus droites possibles. Déterminez donc les portions les plus droites et coupez trois morceaux de 40 cm environ. Ensuite, avec une petite scie, enlevez les parties saillantes de la branche. Puis, écorcez celle-ci avec une râpe. À présent, poncez-les jusqu'à ce qu'elles soient bien lisses. Voici ce que ça donne une fois fait. Ensuite, avec une boîte à onglets, coupez une extrémité de chaque branche en choisissant l'angle de 22,5 degrés. Les voici à présent coupées. Poncez ensuite les extrémités opposées pour les arrondir. Ici, je vous montre la différence après ponçage et l'arrondi obtenu. Puis, dans une rondelle de bois de ce genre, on découpe ensuite un plateau de 30 cm de diamètre à la scie sauteuse pour un résultat régulier. L'épaisseur de celui-ci doit être identique sur tout le pourtour. On passe ensuite au ponçage du plateau. Finalement, souhaitant un pourtour plus irrégulier, je décide de le déstructurer avec un ciseau à bois. Et voici ce que ça donne dans un premier temps. Je ponce ensuite le bord pour tout adoucir. Et voici le rendu une fois le ponçage effectué. Je ponce aussi cet endroit qui n'est pas très accessible avec une pointe à graver et qui réalise quand même bien le ponçage. Pour repérer le centre du plateau, servez-vous d'un compas comme ceci. Tracez ensuite la diagonale. Et à partir de celle-ci, en centrant le rapporteur, marquez un angle de 120 degrés. Tracez l'angle et répétez l'opération comme ceci. Tracez ensuite un cercle de 11 cm. Et on marque les repères qui serviront à positionner les pieds. Pour creuser l'emplacement des pieds, on peut se servir de ce genre d'embout en prenant un diamètre un peu plus large que celui des pieds. La profondeur des trois emplacements doit être identique et on peut s'arrêter de creuser lorsque les pieds emboîtés tiennent tout seuls. Ensuite, marquez un repère à cet endroit et positionnez-les de cette manière en vérifiant qu'ils se placent correctement. Au besoin, agrandissez la largeur de l'emplacement. On passe maintenant à l'assemblage en utilisant de la colle à bois. En en mettant dans l'emplacement et sur le pied. Lorsque le pied est bien positionné, exercez un instant sur celui-ci une pression et laissez sécher 24 heures. Après séchage, remettez un peu de colle dans les interstices pour consolider le tout. Après séchage complet, le tabouret peut être installé.
et on peut en réaliser de différentes tailles comme ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous a plu et je vous dis à très bientôt.